bien le bonjour, messieurs dames, ici Théo, qui vous parle en direct du parking le plus désert de l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça enregistre? Eh oui, ça enregistre. C'est samedi matin, 8h, il fait froid. Et je suis planté au beau milieu du parking du Walmart. Regardez, attention, le Walmart, ladies and gentlemen, le Walmart. Walmart, je ne sais pas s'il y en a en Europe des Walmart, je pense que oui. Je sais pas si c'est en France, j'en ai déjà vu en France. En France, je sais qu'il y a les Auchan, les Leclerc, les trucs, et le foncé. Ok, les gens, je suis juste fatigué. En fait, ce qui se passe, c'est que hier, vous avez vu avec la vidéo, hier, je suis rentré chez moi, il était minuit. Ensuite, je suis rentré d'une compétition de badminton qui continue ce matin à 8h30, donc j'ai dû me lever à 6h30, donc le temps que je me couche, j'y étais 1h15, donc j'ai dormi 5h15, je joue du simple, du double aujourd'hui, et puis j'attends mon ami qui doit venir me chercher pour prendre la compétition. Les gens me demandent qu'est-ce que quelqu'un comme moi fout planter au beau milieu d'un parking, et avec raison, voilà, je vais juste me tourner, regardez, je vais mettre dans l'abri chariot. Alors c'est franchement astucieux, il y a des abris chariots, vous voyez, pour protéger les chariots de la pluie, alors que les humains, on n'en a rien à battre. Enfin bon, je vais changer de main, je commence à avoir mal au bras. Faut pas que j'utilise mon bras, the golden bra, pour le badminton. Non, je regarde. Et puis, une voiture de conduite. Oui, une voiture de conduite, non, une voiture d'école de conduite. Et ouais, et hier, en plus, mon ami que j'attends m'a dit, si tu ne joues pas des parties de game de League of Legends avec moi, je ne viens pas te chercher demain. Et donc, je voulais me coucher à minuit, d'avoir 6h30 de sommeil, je me suis couché à 1h15, j'ai eu 5h15, ce qui, à cette heure-ci du matin, représente énormément de temps. 1h15, c'est énorme, surtout que ça fait, oh putain, il commence à pleuvoir. Bon, là, les gens, je me mets dans l'abri. Fuck daddy-ish. Oh putain, ça fait glauque. Que je dis de la drogue, regarde un peu cet abri là. Aïe, putain, je dis. D'accord. Dès que tu veux la drogue, mon frère, tu fais le jeep. Enfin bon, voilà, donc ça faisait plus d'un mois et demi que je m'étais pas levé à 8h à cause de la grève étudiante qui continue de plus belle. Oh, j'ai envie, parce qu'il y a un McDo, le Walmart, les gens, il est pas ouvert à 8h, mais j'ai envie d'aller. Putain, les gens, ils me regardent bizarrement. J'ai envie d'aller m'acheter un McDo, parce que j'ai même pas eu le temps de déjeuner. Ah quoi, là-bas il y a un Tim Hortons. Ouais, je vais aller au Tim Hortons, elle m'a regardé. Tim Hortons. Juste là. Vous voyez mon droit très précis. Tim Hortons. D'accord. Le McDo est ouvert en Tim Hortons. Tout le temps. 24/7. Non, dans le Walmart, le McDo est ouvert. Mais le Walmart n'est pas ouvert, c'est bizarre. Hein. Bon, les gens, je pense que je vais y aller avant que mon avion arrive. Oui, mon avion, mon ami. Peace. Yeah.